Attends, quoi? Hé, pourquoi tu stoppes? Quoi? Y a rien qui te choque dans ce que tu viens de voir? Bah non. Mais c'est dégueulasse ces plans-là sur le cul de la meuf, sur ses seins. Bravo pour l'image de la femme, quoi. Je vois pas le problème. Il y a plein de films comme ça me paraît normal. Justement, c'est pas normal que ce soit considéré comme normal. Tu n'as jamais entendu parler du female gaze? Le quoi? Le female gaze, ou regard féminin en français. Après tout, c'est malheureusement normal si ça ne te dit rien. C'est une notion, somme toute nouvelle, et peu ou pas assez répandue, si tu veux mon avis. Eh bien, je t'en prie, apprends-moi. Laissons plutôt parler l'experte. Dans la première partie de cet entretien, on a compris que le female gaze n'était pas l'inverse du male gaze, qu'il pouvait être produit quel que soit le genre du réalisateur ou de la réalisatrice, et qu'il ne s'agissait pas d'objectifier les hommes comme on objectifie les femmes, mais bien de tout réinventer, la manière de filmer, de raconter des histoires, mais aussi de les évaluer en termes critiques. Alors comment se fabrique ce female gaze? À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître à l'écran? Qu'est-ce que ce concept peut changer dans notre regard et comment est-ce qu'il pourrait révolutionner le monde de la critique? Sa définition me paraît assez claire. À vrai dire, ce n'est pas aussi simple. La plupart des commentateurs s'accordent à dire que le female gaze est né en réaction au male gaze, élaboré par la critique, cinéaste et féministe britannique Laura Mulvey. Elle développe l'idée que tout ce qui constitue un film, donc les images, les personnages, les histoires et les dialogues, est construit sur l'inconscient de la société patriarcale. Regarder sera généralement considéré comme le rôle du personnage masculin, alors que le rôle passif d'être examiné sera interprété par une figure féminine. En fait, pour faire simple, le male gaze, c'est quand, dans un film, la femme est perçue comme un objet et réduite à ses attributs féminins sous le regard d'un homme. Je vois. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu en cours l'autre jour. On travaillait sur Freud et lui a créé un terme, la scopophilie, je crois, qui est le plaisir voyeuriste que ressent une personne en observant une autre. C'est généralement lié au sexe, comme si tu possédais la personne que t'étais en train de mater juste avec tes yeux. C'est un ouf! Non, mais arrête de me fixer comme ça, tu me fais peur. Tu es désormais une table basse. Non, regarde ça plutôt. Cependant, tous ne sont pas d'accord sur l'exacte définition de ce terme. D'un côté, on a des personnes qui, comme l'écrivaine Alicia Malone, se concentrent sur une cinquantaine de films exclusivement réalisés par des femmes, là où Iris Bray affirme que le female gaze n'est pas lié au genre du créateur, mais au regard généré par le film. Le female gaze est inclusif, il n'a pas vocation à exclure quiconque. Tu veux dire comme avec Thelma et Louise de Ridley Scott ou Carol de Todd Haynes, deux œuvres qui présentent des amitiés voire des amours entre femmes représentées comme fortes et non pas sexualisées pour le simple plaisir des yeux. Voilà, et la réciproque est aussi vraie, avec des films comme Jennifer's Body de Karine Kusama. J'ai du mal à croire qu'aussi patriarcale soit la société, il a fallu attendre le cinéma moderne pour voir des histoires vues et vécues par des femmes sans aucun point de vue masculin. Non, bien sûr, il y a eu des prémices au female gaze, rares, certes, mais présentes. Déjà, en 1906, Alice Guy mettait en scène le désir de la femme tout en adoptant un point de vue féminin empathique. Regarde. D'accord. Mais concrètement, ce regard féminin, ça donne quoi? Eh bien, narrativement d'abord, un film female gaze va mettre le plaisir de la femme au devant de la scène et non pas le nier. En outre, l'héroïne ne sera pas passive et son corps lui appartiendra. C'est le cas, par exemple, de Rose dans Titanic qui exige et non subit sa nudité. Ce n'est jamais gratuit. The last thing I need is another picture of me looking like a porcelain doll. As a paying customer, I expect to get what I want. On pourrait aussi parler des tabous dans les dialogues. Je me souviens notamment de la série Grey's Anatomy,
qui s'accommode toujours de diminutifs particulièrement ridicules pour parler de la vulve. Eh oui, là où prononcer le mot pénis ou bite ne pose aucun problème de pudeur. Plutôt ridicule tout ça. Vagina, vagina, sing it. Vagina, vagina. It's a weird word. I think it sounds pretty. People should say it more. Et techniquement, ça donne quoi? Eh bien, ça va se traduire par le port de costumes non sexualisants, l'utilisation d'une caméra subjective pour être au plus près des affects du personnage féminin, des gros plans sur les visages de cette dernière. Je pense au portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, où rien ne relève du voyeurisme ou du mauvais goût dans la façon de représenter l'amour entre les deux protagonistes. Tout n'est que consentement. Une vraie histoire d'amour, quoi. Eh oui. C'est beau, c'est poétique. Pourtant, ça n'a pas plu à certains critiques masculins, comme un journaliste des Inrocks qui a déclaré que le film manquait de chair. On se demande s'il a vu le même film. Et comme contre-exemple, dans la forme, on pourrait citer la façon dont Patty Jenkins filme ses Amazones dans Wonder Woman, avec force et puissance dans les élans guerriers. Mais puisque les images parlent souvent plus que les mots... Iris Bray a proposé 6 points qui permettent d'inscrire ou pas un film dans le terme « female gaze ». Il s'agit de se demander si le film met en scène un personnage s'identifiant comme une femme ou s'il met en branle le système patriarcal, etc. C'est bien beau tout ça, mais j'ai quand même l'impression que la condition de la femme dans l'industrie, bah c'est pas trop ça quoi. Les films dits « female gaze » me semblent vachement minoritaires. Entre 2011 et 2015, seulement 20% des films français étaient faits par des réalisatrices. Ces dernières sont par ailleurs payées en moyenne 42% moins que leurs homologues masculins. Et je ne parle même pas des cérémonies de récompense. Que ce soit aux César comme aux Oscars, on compte seulement une seule femme récompensée de la statuette pour la meilleure réalisation. Bref. Bien sûr que la situation est toujours disproportionnée. Néanmoins, j'ai bon espoir que la voie ouverte ces dernières années soit le début d'une reconnaissance de la condition féminine comme égale à celle de l'homme. Nombreuses sont les œuvres qui, ces dernières années, épousent le concept du female gaze. Sur la décennie passée, le 7e art nous a offert plusieurs portraits de femmes puissantes comme dans Mademoiselle de Park Chan-wook ou Three Billboards de Martin McDonagh. Il y a aussi Elle de Paul Verhoeven, récompensée des deux côtés de l'Atlantique pour son portrait d'une femme violée qui prend le pouvoir sur son agresseur et renverse le rapport de force préétabli. Enfin, la télévision n'est pas en reste. En atteste le succès de la série I Love Dick, qui propose un regard inédit sur la sexualité. Cette fois, c'est la femme qui vient fantasmer sur l'homme qu'elle désire, Dick. On parle de ses envies à elle. Eh bien, merci pour toutes ces explications. J'en connais un qui s'endormira moins con.